Pour commencer, j'avais envie de vous poser cette question, vu que c'est une question à la mode. Je ne sais pas si vous avez vu Le Parisien cette semaine, une interview de la maman de Kylian Mbappé, qui a déclaré à propos de son fils, « Entre le PSG et Madrid, c'est comme choisir entre ses parents ». Bon, bah, c'est vrai que c'est quand même un choix cornélien dans ces cas-là. Alors, regardez, Édouard Philippe, lui, il a tranché entre son club d'origine, les Républicains, et son club d'adoption, La République en marche. Et comme ça, vous voyez... Il a un nouveau... C'est pas ça, voilà, c'est lui, Édouard Philippe, parce que je voyais encore Kylian Mbappé dans les photos. Non, voilà, c'est lui, c'est le panda du Havre. J'essaie de... C'est une mode au Havre. Alors moi, j'ai pas encore réussi à voir le côté noir de la... C'est assez compliqué, oui, c'est étrange. Hein. Quand on le voit, on a envie de jouer aux dames. Ben non, mais c'est le nouveau panda du Havre qui lance son nouveau parti. Voilà. Il a tranché, et oui, il était en captivité, ce panda à Matignon, pendant des années, et il n'arrivait pas à se reproduire. Maintenant, c'est fait. Maintenant, il se tape des bambous et il veut être numéro un. Oui, oui, c'est le nouveau tube d'Édouard Philippe, la ville du Havre. Regardez. Le parti que nous créons, c'est le parti qui porte ce nom d'Horizon. Pourquoi Horizon ? Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin. Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin. Je suis sceptique sur le nom du parti. Comment vous trouvez, Pierre ? Le nom du parti, c'est quoi ? C'est Horizon. 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 Ah, oui. Et la punchline, c'est pour faire bien, faut voir loin. Oui, bah, on peut voir ça comme ça, oui, bien sûr. Bien sûr. D'autant plus que la ligne d'horizon, plus on s'en approche, plus elle s'éloigne. Oui, c'est une ligne qu'on n'atteint jamais, en réalité. Oui. C'est ce que disait Pierre Dac, ça. Oui. Donc on est mal barré avec... Non, mais enfin, il a le droit de fonder un parti, c'est pas tout à fait le problème, je crois. Vous pensiez qu'Édouard Philippe aurait mieux fait de rester dans sa famille, Laurent, en vrai ? Sa famille d'origine, non, je suis pas sûr, parce que c'est pas simple, en fait, cette histoire-là. Ça m'a rappelé, vous connaissez cette phrase, la fameuse phrase souvent citée par Jean-Marie Le Pen, à l'époque où, hélas, on comprenait encore ce qu'il disait. souvent, il l'a répété, cette phrase, souvenez-vous. « Je préfère ma famille à mes amis. » Mes amis à mes voisins à mes compatriotes et mes compatriotes aux Européens. Sauf que depuis, il préfère Zemmour à sa nièce à sa fille, et même la fille de Von Ribbentrop à ses compatriotes. Oui, alors Joachim, ça vous fait marrer, mais Joachim Von Ribbentrop, pour ceux qui ne savent absolument, on en a entendu parler toute la semaine, c'était le ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, c'était le ministre des Affaires étrangères d'Hitler. Il a été pendu à la suite du procès de Nuremberg. Alors aujourd'hui, sa fille, elle vit encore, elle est très âgée. Est-ce qu'il faut lui imputer les crimes, les exactions de son père? Non, c'est vrai, vous avez raison. Après tout, on n'est pas responsable de ce qu'a fait ou son père ou sa mère. Mais en même temps, il y a une chose plus simple pour éviter ce genre de polémique, c'est de ne pas aller déjeuner ou dîner chez Jean-Marie Le Pen. Ça évite ce genre de situation, vu qu'on sait bien qu'on ne va pas se retrouver à table entre Yannick Noah, Bilal Hassani et Omar Sy. Vous voyez, je préfère de loin les bébés pandas de Beauval aux enfants de pendus de Nuremberg. Il y a un autre... il a mis du temps, pour comprendre. Il y a un autre titre du Parisien qui vous a inspiré cette semaine. C'était le titre d'hier, je crois, la une d'hier. L'incroyable pénurie de vélos. Ça va plaire à Pierre Arditi qui parle de trottinette dans la pièce. On y reviendra tout à l'heure. Mais là, ce sont les vélos dans le Parisien. Incroyable pénurie de vélos. Et alors mieux, c'est en page intérieure. Regardez le titre en page intérieure. 9 mois pour trouver un vélo. Je crois qu'ils l'ont fait exprès, 9 mois. Alors évidemment, je pourrais vous faire une liste de mauvais jeux de mots. C'est le passage du dernier col qui est le plus compliqué. Si le bébé arrive prématurément, est-ce qu'on a un mini-vélo ? Je vais poser des VTT pour pouvoir l'élever moi-même. Enfin, bon, des tas de trucs, ça ne peut pas être facile d'accoucher d'un vélo en 9 mois quand même. Non. Toujours est-il que je suggère à ceux qui voudraient vraiment un vélo rapidement, bah, d'en louer, on peut en louer, c'est comme les trottinettes, on peut louer un vélo, on n'est pas obligé d'avoir son propre vélo. D'autant plus que, regardez les images de dimanche dernier du Paris-Roubaix, on peut partir avec son propre vélo, puis à l'arrivée, il est beaucoup moins propre. Franchement, les conditions du Paris-Roubaix dimanche dernier, regardez comment ils arrivent là-bas, c'est absolument hallucinant. Je ne sais pas comment ils font, d'ailleurs encore, pour trouver des cyclistes qui veulent bien participer au Paris-Roubaix. Moi, je serais coureur cycliste, je ferais Paris-Nice... Ah, c'est pas mal, Nice. Milan-San Remo, le Tour de Lombardie aujourd'hui, c'est le Tour de Lombardie qui a été gagné encore par le Slovène qui a gagné le Tour de France. Pogacar, les carburants, il a un bon produit. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, les Slovènes sont très forts en pharmacie. Alors, mais le Tour, non, mais c'est vrai, voilà, des trucs agréables à faire à vélo. Le Tour d'Espagne, c'est agréable à faire en vélo, mais Paris-Roubaix. Franchement, entre un perchti, vous voyez, on y revient, entre un perchti et une mer
andalouse. Moi, je vous le dis, je choisis la mer andalouse. Sauf que vous êtes mal barré, moi, oui, par contre. Parce que moi, je viens du Sud. Enfin, si c'est pour nous dire que vous préférez le soleil à la pluie, pardon. Oui, vous êtes gentil, Laurent, enfin, tout le monde. Ça peut paraître banal comme ça, mais oui, je préfère le soleil à la pluie. Mais la pluie, ça peut être bien aussi. On est au chaud à la maison, comme on fait le dimanche, tous les deux. On regarde des séries, Léa et moi, dans le lit. On ne savait pas. Si. Bah, si, on est crevés. C'est crédible. Vous allez voir quand vous allez sortir d'ici à 2h. Ah oui, c'est crédible. Oui. Donc on est là, on regarde des séries. Il y a de très bonnes séries en plus. Il y aura validé à partir de lundi prochain. Moi, en ce moment, je regarde 1, 2, 3. Non, c'est pas 1, 2, 3 soleil. C'est pas non plus. Comment s'appelle le truc sur TF1 déjà Sous le soleil. Sous le soleil. J'étais sûr qu'elle regardait. C'était un piège. Non, 1, 2, 3 soleil, c'est la série qui s'appelle Squid Game, qui fait un tabac en ce moment. Tout le monde ne parle que de ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé ou pas. Mais enfin, quand je pense. Vous la regardez, ça, vu, quand je pense, souvenez-vous qu'on a commencé à regarder il y a quelques années des séries télé britanniques. Puis ensuite, on nous le reprochait même, des séries télé américaines. Puis est venue la Casa del Papel, des séries télé espagnoles. On en est maintenant aux séries sud-coréennes. Vous voulez que je vous dise, je crois qu'on commence vraiment à s'emmerder dans la vie, en fait.